Et salut tout le monde, c'est Jeux Vidéo Continue. On se retrouve pour le sixième et dernier bonus de Resident Evil 4. Donc, dans le bonus précédent, on avait encore une fois de plus continué le mode mercenaire. Et on avait testé l'avant-dernier personnage, qui était Hunk. Donc, au passage, on avait fait aussi la dernière map. Donc en gros on a débloqué le dernier personnage qui est Albert Wesker, mais il n'y a pas d'autre map en plus, donc en fait on va devoir faire une map qu'on a déjà fait, et on n'est même pas obligé de faire les scores en fait, hein. Bon, je pense qu'on va juste le tester comme ça, même si on perd, on va pas s'embêter à faire 30 000 points, hein, s'il n'y a rien d'autre à débloquer. Donc par contre lui il a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de grenades, donc je pense que bon, en même temps c'est fait exprès, juste pour s'amuser comme ça et avoir plus d'armes. Donc c'est parti. Ouais, donc on a bien que 4 maps. Alors, où est-ce qu'on va aller? Allez, j'ai envie d'aller au château. Donc, c'est parti. Alors, éliminer autant de GLaDOS que possible avant l'arrivée de l'hélicoptère. Le nombre de points augmente lorsque vous tuez des ennemis à la chaîne. Débloquer un secret en terminant toutes les étapes avec tous les personnages en 5. What? Ok. Alors ça, je pense pas qu'on va le faire. Je pense que plutôt à la fin de l'épisode, je vais regarder sur internet, voir ce qu'on débloque. Mais on va pas faire tous les personnages en 5 points. Hein. Enfin, en 5 étoiles, pourquoi nous l'ont pas dit dès le début, ça? Bon, tant pis. On verra ça à la fin de l'épisode. Lui n'a pas le couteau non plus. Il a même un silencieux, what? Il n'y a pas ça dans le jeu. Attends, c'est quoi les armes qu'il a? Silencieux. Ah, bah c'est silencieux que peut-être qui va se débloquer. Je sais pas. Je ne me souviens pas que le silencieux, il est dans le jeu. Enfin, dans l'histoire principale. Bref. C'est parti, on va la récupérer le maximum de temps possible. Hop. Go 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 go. Allez, allez. Parfait. Allez, vite, vite, vite. Ici. Tu t'es raté, mon ami. Ouais. Parfait. Et ça, bah j'ai plus de place. On va jeter une grenade aveuglante. Nickel. Ensuite, on monte en haut. Parfait, on va débloquer juste ça. Et on fait demi-tour. Donc, on repasse ici. Ah bah il est tout en là, j'avais pas vu. Hop, on descend. C'est la triche. Allez, allez! Alors attendez, je les attends ici au pire. Alors attendez, on va pas s'embêter. Voilà. Et. Ouais, ça va pas le faire ça par contre. Et on va
ici. Ah, par contre, j'ai pas de quoi me soigner, on va faire attention. Allez, allez, allez. Parfait. Et parfait. Et on va attendre ici. Sérieux. Allez. Ah, attendez, j'ai quoi comme arme? Ouais, j'ai pas grand chose. Essayer d'avoir eux là-bas, si j'y arrive. Allez, dépêche-toi. Bah écoutez. Écoutez. Il n'y a pas trop de challenge là. Hein. Bon, je pense pas qu'on va faire les 30 000 points, mais bon. On va essayer de faire les 50 000 si on y arrive. Pas. Mais c'est pas grave. Et en plus, on a bientôt plus de balles. Et bah ça, c'est fait, on a plus de balles. Il ne reste plus que les grenades.
D'accord. Bon, on va bouger. On va pas rester là. Allez, allez, go, go, go. Tu dégages, merci. Oula, j'en ai tué combien, là? J'en ai tué beaucoup. Oh, il m'a fait peur. Mais sérieux. Voilà, ça c'est fait. Bon écoute, on a pas fait 30 000 points, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme ça on l'aura testé. 3 étoiles, meilleur score. Ouais, le meilleur score on l'a fait. Ah ouais, c'est... ouais. Le meilleur score de la map. Ok. Bon, bah écoutez, on l'aura testé, au moins ça c'est fait. Et on aura tout débloqué à part les trucs avec les 5 étoiles, enfin le bonus comme ils disent là, le truc spécial. Donc j'ai juste regardé sur internet avant de se quitter, à voir ce que c'est, comme ça je vous le dis. Mais je pense pas quoi le faire, hein, parce que... En plus je pense que c'est pas un truc extrêmement spécial comme ils disent, mais bon. Je vais juste faire une petite ellipse, voir ce que c'est, donc à tout de suite. Ok, donc, alors d'après ce que j'ai vu, en fait, si on aurait eu les 5 étoiles avec chaque personnage, sur toutes les maps, en fait, on aurait débloqué une nouvelle arme du nom de Hand Cannon, donc c'est une arme qui a l'air assez puissante. Donc, allez voir sur internet, vous allez le trouver vite fait, ou vous écrivez juste Hand Cannon Resident Evil 4, vous allez le trouver. Non, voilà, au moins, on sait ce que c'est, voilà, c'est juste une arme pour le mode, si on veut rejouer la partie, en mode difficile, je crois. Donc voilà, bah écoutez, on aura fait tout le tour du jeu. Et puis voilà, bah écoutez, on va cesser ici pour ce dernier bonus et la dernière vidéo sur ce jeu, donc le dernier épisode. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau let's play. Donc n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine, salut!